Bienvenue chez Miss Anna pour le soin capillaire entièrement naturel où nous vous vendons non seulement de produits mais nous vous apprenons également à utiliser correctement et à prendre soin de vos cheveux naturels. Parlons de la vision que vous avez de vos cheveux, à quelle fréquence portez-vous vos cheveux naturels que Dieu vous a donnés, comment prenez-vous soin de vos cheveux, à quelle fréquence lavez-vous les cheveux, quels sont les objectifs capillaires, est-ce juste la longueur que vous souhaitez ou des cheveux soins et heureux? Ce sont les questions incontournables auxquelles il faut répondre avant de commencer à utiliser des produits capillaires et d'espérer des résultats miraculeux. Il faut savoir bien démêler ses cheveux, comment masser votre cuir chevelure, comment appliquer des produits sur vos cheveux et surtout, placez-vous dans des styles protecteurs afin de recevoir les résultats que vous désirez tant. Restauration ou sourcils plus épais, restaurer les bords amincissants de cheveux plus épais, plus sains ou même des cheveux en queue de cheval. Les témoignages de celles qui utilisent les produits Miss Anna ont deux points communs, l'engagement et la cohérence. Les deux points produisent de soins capillaires réussis. Mais méfiez-vous du grand M, manipulation. Les cheveux sont garantis de pousser d'un demi-pouce ou un pouce par mois. Alors arrêtez d'essayer d'obtenir 3 pouces par mois. Cela ne fera que conduire à des cheveux surtraités. Laissez vos cheveux reposer dans des coiffures protectrices tout en gardant votre cuir chevelure nourri avec nos huiles infusées à base de plantes. C'est la clé pour libérer tous les potentiels de vos cheveux naturels, que vous soyez un naturel texture ou un naturel lisse. Les cheveux sont notre gloire et il est de notre devoir d'en prendre soin. Avoir les connaissances et les pouvoirs nécessaires pour le faire est désormais entre vos mains. Visitez notre site web à l'adresse www.missanna.com et n'hésitez pas à nous poser toutes vos questions, il y a du pouvoir à demander à mes amis. C'est votre journée pour posséder ce qui vous revient de droit. Venez nous rejoindre dans ces beaux voyages pour exploiter notre gloire. Ok, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir de partout là où vous êtes. Et il y a un mois, je dirais au mois de décembre, je suis passée sur Gospel Cross pour faire la promotion de nos produits capillaires, Miss Anna. Et j'ai suivi beaucoup de commentaires et je suis venue répondre à certaines des questions que j'ai vues sur ces commentaires. Mais avant de répondre à ces questions, je voudrais de tout cœur remercier nos frères, nos frères et sœurs qui nous ont félicités pour l'initiative que nous avons prise de créer ces produits pour encourager nos frères et sœurs de prendre soin de leur chevelure, surtout nos sœurs, prendre soin de leur chevelure, maintenir la bonne santé, comment nourrir la chevelure et tout. Nous vous remercions beaucoup. Nous demandons que vous puissiez toujours continuer à prier pour nous, pour que ces produits soient une bénédiction pour vous. Alors, il y a une question qui s'est posée là, soi-disant que je présentais des produits avec des cheveux artificiels, le mèche que je portais. Alors, je voudrais expliquer. D'abord, je suis allée à Kinshasa, c'était pour le mariage de ma sœur. Je ne savais même pas que je passerais à la télévision. Après avoir montré le résultat, les photos et les produits à l'une de nos sœurs, l'épouse à notre pasteur là-bas, c'est l'épouse à notre pasteur qui a demandé à ce que je puisse passer à la télévision parce qu'elle m'a dit que tu as quelque chose de très bien et vous utilisez là-bas. Nous souhaiterons que vous puissiez aussi partager avec tout le monde, nos frères et sœurs qui sont ici. Raison pour laquelle, à la veille de mon départ, je suis allée à la télévision, je n'avais pas le temps de me préparer pour présenter ma chevelure.
suis passée telle que je suis passée là-bas. Parce que j'ai vu une personne qui a même commenté que je voulais acheter les produits, mais avec le cheveu qu'elle a, je me retire, je ne peux plus acheter, quelque chose comme ça. Je suis vraiment désolée, ce n'était pas volontairement. Je ne peux pas passer à la télévision vous encourager à faire quelque chose que je ne fais pas moi-même. C'est quelque chose que je fais moi-même. Je m'occupe très bien de ma chevelure. Je préférerais toujours mettre ma chevelure, porter ma chevelure, que de mettre ces plantes, ces perruques, tout le temps. Mm-hmm. À moins que j'ai des conditions médicales qui me poussent à les mettre, et je pourrais me justifier devant la personne qui m'a créé, le Seigneur Jésus-Christ, et dire que j'avais une condition de cheveux. Mais je peux toujours aussi prier, demander à Dieu de faire pousser mes cheveux. Mm-hmm. Et c'est ce que nous encourageons. Nous encourageons à toutes nos sœurs de prendre soin de votre chevelure, de la nourrir, la maintenir. Parce qu'aujourd'hui, il y a même de ces sœurs qui ont honte de porter leur propre chevelure. Il y a de ces sœurs qui ne veulent plus de leur chevelure. Nous sommes les personnes les plus originales en ce moment-ci sur la terre. Nous sommes les personnes les plus originales. Pourquoi je dis ça? C'est comme dans ces pays où nous vivons maintenant, tout ce que nous voyons avec les femmes, la majorité de tout ce que nous voyons est artificiel, est faux. Je pourrais prendre. Elles ont des sourcils artificiels, elles ont des cils artificiels, des cheveux artificiels. N'en parlons même pas quand ça vient des cheveux, c'est alors artificiel. Ça devient une signature. Et moi, je ne suis pas vraiment là à encourager nos sœurs. Nous avions notre propre signature, qui est notre chevelure, la gloire que Dieu nous a donnée. C'est à cela que j'encourage, ayant créé ces produits qui promeuvent la bonne santé, qui promouvoient la bonne santé de la chevelure, le soin de la chevelure, j'encourage toutes mes sœurs. Je ne suis pas là à vous condamner, vous qui mettez le plante, le périque, mais j'encourage, je préférerais que nous soyons naturels, que nous puissions avoir nos propres sourcils, nos propres cils et nos propres ongles, nos propres cheveux. Et cela fera la gloire de Dieu. Mm-hmm. C'est vraiment ça le souci de mon cœur, mes frères et sœurs. Prenons soin de la gloire que Dieu nous a donnée. Parce que si Dieu voulait à ce que nous puissions avoir ces perruques-là, il aurait pu coller ça sur nous. Et ça serait déjà quelque chose qu'il aurait pu mettre sur nous. Mais si Dieu nous donne notre chevelure, il veut que nous puissions en prendre soin. Il nous donne des produits, c'est pour prendre soin de notre chevelure. Mm-hmm. Alors c'est comme je suivais un autre monsieur là, en anglais, on les appelle tricologistes, si je peux dire en anglais. Alors ce sont de ces personnes-là qui étudient votre peau sous le microscope. Alors, je voudrais encourager toutes nos sœurs, surtout celles-là qui ont acheté le produit Anna, et même celles-là qui n'utilisent pas le produit Anna, pour toujours promouvoir la bonne santé, la croissance de la chevelure, une fois que vous avez appliqué vos produits sur le cuir chevelu. Prenez le temps de faire un massage. Quand vous appliquez le produit sur votre chevelure, c'est pas ça le massage. Quand je dis massage, comme expliquait ce tricologiste, il disait pour que les nutriments puissent pénétrer dans le système circulatoire ou bien les produits puissent pénétrer le système sanguin de votre tête, il faudrait un massage. Et le massage, c'est votre cuir chevelu contre votre crâne. Vous voyez? C'est comme ça. Vous appuyez, vous faites ça, vous faites ça, vous faites ça pendant 60 à 90 secondes. C'est pour stimuler la circulation. Pour stimuler la circulation sanguine de la tête. Et ça va promouvoir la circulation et ça va faciliter à ces produits que vous avez mis d'être absorbés dans le sang pour donner la bonne santé, la vitamine au cuir chevelu ou bien à la racine de votre chevelure, c'est ce que je veux dire. Mm-hmm. Alors vous massez, c'est toujours cuir chevelu contre votre crâne. Aussi longtemps que vous faites le massage et vous ne sentez pas votre crâne, c'est pas un massage, c'est vraiment superficiel. Je ne demande pas de pousser trop fort, mais seulement stimuler. Vous stimulez, et vous appliquez les produits ou peut-être vous le faites aussi après d'avoir utilisé le produit. Cela promouvoit la croissance de la chevelure. C'est prouvé, vous pouvez aller vérifier. Faites ça tous les jours,
faites ça quand vous le pouvez, même sans avoir utilisé le produit, faites-le. Vous allez remarquer des bons résultats alors, des bons résultats. Alors, nous vous souhaitons tous une très bonne année. Prenez soin de ce que Dieu vous a donné. Prenez soin de ce que Dieu a mis à notre disposition, nos cheveux propres, nos propres cheveux. Nos cheveux. Parce que c'est ce que Dieu nous a donné. Il ne nous a pas donné des perruques. Alors, soyez bénis. Utilisez Miss Anna et d'autres produits que j'ai appris aussi. Il y a d'autres sœurs qui fabriquent des produits. Utilisez-les, faisons pousser notre cheveu. Parce que nous sommes les personnes les plus originelles ou originales. Parce que tout ce qu'il y a pour le moment, c'est les fakes. Les fakes, donc le faux. Nous sommes là à promouvoir ce qui est vrai, ce qui est naturel. Mm-hmm. Alors, portez-vous bien, que Dieu vous bénisse richement. Et c'est toujours votre sœur, la sœur Sharon Chembo. Et, excusez-moi. Je n'ai pas pu peigner mes cheveux parce que je voudrais toujours encourager mes sœurs, prenez soin de votre chevelure. Et je vais maintenant prendre soin de peigner mes cheveux. Mais c'était pour vous dire, masser, les massages. Les massages, c'est, le, massage, c'est le contact de votre cuir chevelu avec les crânes. C'est ça le massage. Ce n'est pas appliquer le produit, ce n'est pas ça le massage. Ça, c'est comme si vous frottez. Le massage, c'est ce que je fais là. C'est ce que je fais là. En tout cas, bonne année, plein de bénédictions à vous. Aimons ce que Dieu nous a donné. Aimons ce que Dieu nous a donné, nos cheveux, nos propres cheveux. Soyez bénis, shalom mes bien-aimés. Et j'ai vu beaucoup de questions de mes sœurs qui disaient, elle fait l'émission avec des cheveux artificiels. Alors, comme il y avait question qui s'est posée, j'avais expliqué, c'était déjà en hiver et j'étais là que pour 5 jours. Et juste à la veille de mon départ, on m'a demandé de passer à la télé. Je n'avais pas le choix. Sinon, mes frères et sœurs, j'utilise le produit Miss Anna. Et je ne peux pas passer à la télé, vous présenter quelque chose que je n'utilise pas moi-même. Et je remercie beaucoup mes frères et sœurs qui nous ont félicités pour cette initiative que nous avons prise pour encourager nos sœurs à pousser leurs cheveux, aimer leurs chevelures. C'est vraiment ça le motif de cette émission, dire à nos frères, dire à nos sœurs surtout, il y a un produit disponible qui peut pousser vos cheveux, qui peut garantir la bonne santé, la croissance, comme nous disons toujours, de votre chevelure qui est votre gloire. Nous préférerions que vous puissiez porter votre chevelure que de mettre ces perruques. Ça sera bien pour les personnes qui ont des conditions de santé qui peuvent porter les perruques, c'est justifiable. Et pour nous autres qui avons de bons cheveux, notre propre gloire, c'est ce que Dieu nous a donné. Alors nous encourageons toutes nos sœurs, prenez soin de votre gloire, prenez soin de votre chevelure, que Dieu vous bénisse richement. Nous vous encourageons toujours, Miss Anna est là pour vous. Et comme je l'avais promis, je veux peigner mes cheveux devant toutes mes sœurs pour vous montrer que je prends soin de ma chevelure. Je ne suis pas seulement en train de vous parler, vous dire des histoires que je ne fais pas moi-même. Je prends bien soin de ma gloire parce que je préférerais glorifier Dieu avec ce qu'il m'a donné et tout le temps mettre ses perruques. Alors, pardonnez-moi, il y a le vent qui souffle, c'est toujours l'hiver comme je vous ai dit, mais j'ai essayé de mettre ça pour répondre à la question qui était passée. Mais sinon, mes frères et sœurs, restez bénis, soyez bénis. Merci pour nos frères et sœurs de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Congo-Brazzaville, Congo-Kinshasa, de l'Haïti, de la Martinique qui nous ont contactés pour le produit. Nous sommes là, travaillons ensemble et restons vraiment ensemble. Miss Anna est là pour vous. Utilisez-les pour la gloire de Dieu. Soyez bénis. Merci.